Bonjour, je suis Eric Buist. Alors, ma progression dans le mode pack à Grand Sky s'achève. Je suis arrivé d'arriver à compléter pas mal toutes les quêtes. Donc, une grosse qui reste, c'est dans le chapitre Blood Magic. C'est cette orbe-là. J'ai enfin pu le déverrouiller. Pas pour rien, ça prend encore la fameuse perle. Et ça prend un orbe transcendant. Ça veut dire que je dois monter mon hôtel au niveau 6 pour être capable de continuer. Pour monter mon hôtel niveau 6, ça prend des Crystal Clusters. Crystal Clusters. Des trucs comme ça. Crystal Cluster de Blood Magic. Ça prend tout ça. Soul Shard, Life Shard, Soul Shard, Life Shard. Et ça, c'est des. Ah, ok, ça se fait que ça. Weak Blood Shard. Life Shard, ok, juste ça. Puis un Life Shard, c'est. Hein? Non! Tu es en train de me dire que j'ai pas besoin de faire le rituel? Life Shard, on peut les crafter sur un hôtel de type 3? Hein? Tu es en train de me dire n'importe quoi? Ah, ouais! Ah bon? Soul Shard? Et voyons donc, oui. On va checker ça, c'est vrai. Weak Blood Shard. Ah, c'est pas énorme, ça marche pas ça. Un Master Blood Orb. Bon, alors de retour au plan original. Faudrait que je me ramasse 15 millions de pieds là-dedans. En plus, je m'assure de faire ça avec mon. Là, ça marche pas cette affaire-là, je suis tanné. Je suis chez eux. Je peux pas savoir quel est sélectionné, puis si ça me rend à tout. Ah oui. Ah oui, j'ai 15 200 000 LP, je suis correct. Wow. Cool. Ok. Qu'est-ce que j'aurais peut-être voulu faire? C'est m'installer un chunk loader ici même pour que l'hôtel Blood Magic reste loadé même si je suis loin. On va faire ça. Alors, je vais l'essayer. Le fameux rituel. Fait que là, le premier élément que ça me prend, je peux le fabriquer déjà parce que si je peux pas faire ça donne rien. Activation Crystal. Ça va me prendre ça. Ça me prend dans le truc alchimique. Ça a l'air qu'on peut le faire avec soit le Demon Shard ou avec un Nether Star. Mais ça ne me tente pas de construire celui des Wither à plus jamais finir. Fait que j'ai décidé de prendre le dernier Demon Shard que j'avais. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de rien faire pantoute. Ah, il manque un orbe. Ah, attends, je vais prendre le Archmage. Un Blood Orb à chemin, il se bindait à moi. Oui, il est bon. Si vous bindez, ça marchera pas fort. C'est sûr que ça peut se faire. Ah, il se passe quelque chose. Ouais. Ah, je l'ai. Awaken Activation Crystal. Ah. Faut que je le binde, je l'active. Ah, il va être bindé à moi. C'était la première chose qui se prenait. Autre chose que ça va prendre, c'est une plateforme, très grande plateforme, très loin d'ici. Là, j'ai vu que Hypnotize l'a bassé dans le Last Millennium. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si ça peut marcher. Je vais réussir une fois. J'arrête de me remplir un baril de stone brick. Ça va avoir beaucoup de briques. Accélération card. On va faire une grosse plateforme, au moins 64 par 64. Je peux aller jusqu'à 4 pour mettre 4. Ce sera pas trop. Il ne craft pas. Il n'y a rien, au moins il exporte là. Ah, j'ai zé, c'est bon.
Ah, je pense que je vais prendre deux temps. La plus importante, c'est la crafting card. En fait, pour mon pote, pour l'instant, j'ai combien de slots tout le temps? Ah, j'ai juste 4. Je peux pas mettre 4 acceleration cards. 1, 2, 3. Ça va exporter plus vite. Plus la crafting card, plus crafter de la stone. Mais ça va y aller. Alors, je vais installer un début de plateforme. On va mettre ça dans le Last Millennium. Oh! Ah, il est pas dangereux. Donc, ça va qu'il y a un zombie ici. Ça, c'est Deep Dark. Ça, c'est le End. Last Millennium. Alors, c'est ici que je vais installer ça, un petit peu plus loin. Là. Je peux voler ici. Je crois que oui. En fait, je pourrais même mettre. Oh, il ne voit plus rien. Ok, c'est là. Pensez ici, je vais aller le mettre à la balle de bout. Ici. Pour l'instant, il est hyper hyper loin parce que je suis. Prends mon Builder's Wand. Ah, j'ai pas amené de torche avec moi. Ça, c'est ma petite plateforme. Ah, c'est ça, c'est l'Angel Block. Je vais le récupérer. Je laisse pas ça là. Ça va me prendre quelque chose pour m'éclairer. Ah, j'en ai des torches. Parfait. Donc, au centre de cette petite plateforme. Je vais placer mon deuxième téléposeur dans lequel je vais mettre le focus qui permet de retourner chez moi. Celui-là. Prendre le deuxième focus. Donc là, il n'est pas bindé. Je vais l'initialiser. Je le mets sur moi. Même un levier. On va tester ça. Oui. Ah! Non, dessus. Ça. Deuxième levier. Et ici, au cas où j'aurais. Vérifie que ça fonctionne, des directionnels, avant de faire toute autre chose. Non. Ouais, ça. Ok, parfait. Voilà, ça c'est le Last Millennium. Ok. Voilà. Parfait, ça fonctionne très très bien. Ok. Alors mon baril est prêt. Je vais enlever l'export boss parce que j'aurais pas besoin d'avoir un deuxième baril de ça, certain. Je ne mettrai pas plus qu'un baril de stone là-dedans. Il y a là-dessus le câble avec. Ah non, il a récupéré les acceleration cards. Okay. Donc, export boss, acceleration, crafting card. Là, on va prendre une dolly. Récupérer le baril. Là, pour. Est-ce que le son laisse va.
Ah, il est pas si pire que ça. À cause de mon haste. Ça me ralentit, mais pas trop. Je vais lui poser ça dans la. Je vais lui poser le tabac. Je vais lui poser dans l'As Millennium. Où est-ce que ça doit aller? Il faut que j'agrandisse ça plus que je peux. Quand même pas mal, là. On va faire l'agrandir. Alors, je vais poser mon baril de pierre ici. Voilà. Comme ça me permet de souffler un peu. Donc là, la plateforme est là-bas. Donc je vais probablement étendre dans le sens opposé. Donc on va se prendre une pile, on va mettre une pile, puis on va peut-être me prendre des glowstone illuminators aussi pour. J'aurai un gros job à faire, je vais essayer de faire ça, essayer au moins. Je vais la faire au moins 64 par 64, cette plateforme-là. Puis là, il faut que j'établisse mon milieu, parce que je vais installer mon rituel. Puis après ça, bien, on va essayer ça. Mais avant, c'est de monter la plateforme. Alors, première partie de fête. Là, j'ai 32 par 32. Tout éclairé. Puis là, j'ai identifié au milieu. C'est que ça va être là que je vais installer mon rituel. Je vais enlever les pierres. Hein, je vais ce qu'il faut dans le tour, là. Ou à un moment donné. Là, pour l'instant, je vais extensionner ça à 64 par 64. Puis là, j'aurais quand même pas pire avec ça. Donc là, avec ça, le village devrait pouvoir s'étendre. Pas pire. C'est une grosse job. Moi, j'y vais 8 par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je vérifie. Ah, ben oui! Là, je suis deux. Il me reste deux autres à faire. Genre, on a mis 32 blocs. J'ai eu la bonne idée de mettre une arcane lamp en haut. Faut qu'on dirait que ça m'aide beaucoup pour l'illumination. Là, il me reste encore beaucoup de pierres. Oui, je vais pouvoir faire vraiment les deux autres. C'est sûr que ça aide de pouvoir voler aussi dans ces situations-là. Pour construire une structure au-dessus du vide de même. Là, j'ai un gros problème de particules aussi. Ça commence à vraiment m'énerver. Je pense que c'est. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est l'armure, c'est à cause du fire resistance. C'est vraiment fascinant, là. Voilà! Ah, c'est cool, j'ai même plus besoin de mettre de l'armure. Je vais en mettre quelques-unes pareilles. Ça fait un éclairage qui est mieux, je trouve. On dirait que ça éclaire plus ou moins, mais ça, au moins ça éclaire pour les monstres, là, mais je vais m'en mettre quand même des comme ça. Ah oui, il y a une meilleure luminosité avec ça qu'avec juste l'arcane lamp. Mais au moins, je vais en avoir besoin de moins. Bon, la moitié de la structure est faite. Les particules commencent à me rendre fou. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Là. Bon, un petit contre-temps, mais ça se fatigue bien raide, là. Installer. Je vais faire ça ici, j'ai de la place au moins ici. Là. Fait que Master Ritual Stone. Ça, c'est le milieu, la place en masse. Et après ça, je prends mon Ritual Diviner. Le Ritual Fun Binding et c'était. Je mets ça là-dessus. Normalement, je pourrais être dessus pour pas me faire piéger dans ça. Il va construire ça autour de lui. Ok, c'est bon, j'ai plus de pierre, c'est bon, c'est réglé. Après ça, je vais enlever mon plastron. Je vais enlever ma baguette magique. Il faut que j'active le rituel avec le cristal. Avec l'Awaken, ça va faire la job, j'imagine. Est-ce que ça m'a redonné les pièces? Éteindre ça là. Ah là j'ai plus de résistance au feu du tout, mais là. J'ai même plus de pyroclaste là.
Bon, ça m'a redonné le Lava Sigil, ok. Ça m'a redonné l'orbe. Ça m'a redonné le Weak Blood Shard. Ah, ça m'a tout redonné. Parfait. Le rituel a fonctionné à la perfection. Excellent, ça. Moins ça. Je reviens ici. Là, je vais devoir réassembler l'armure. Ça, c'était le plastron. Je peux commencer à le réassembler. Je pense que par chance, je récupère les sockets. Donc, on y va. On fait ça ici. Ça. Il y a un autre effet qui fait des particules. Ouais, c'est ça, comment ça m'accumule. Ok, orbe. Ah, faut mettre le Weak Blood Shard avant, je pense. Ouais, c'est mieux. Ok, shard. Orbe. Je vais mettre un Divination chez Joe. Alors, je vais avoir le display des. Enfin, combien que j'ai de patentes là. Parfait, Divination chez Joe. On va prendre la Soul Forge. Donc on va remonter l'armure. Donc là c'est Joe en premier. Au moins je peux la démonter, mais c'est moins pire. Voilà. Ah, il me l'a remis déjà sur moi. Ah, je savais pas qu'il faisait ça. Current Owner, Eric Buis. Je vais vérifier les slots. With Blood. C'est bon, c'est très bien comme ça. Ah, puis je vais me débarrasser des effets particules. Je me débarrasse du cristal, je me débarrasse du diviner. Ah là, je dois récupérer plein de glowstone. Ah, j'en ai plusieurs déjà. Je vais me ramener ça avec moi. J'en ai une qui a servi, si je peux utiliser. Bon, c'est bon. J'essaie de fermer mes monstres là, mes spots. Ils commencent à m'apparaître là. Puis je suis proche des barres, il y a des risques de bomber dans le trou. Ça, je veux pas qu'il arrive. Parce que je sais pas si je vais être capable de remonter. Hey, ça a pris tout le baril de roche. Fait la plateforme. Il n'est pas fini encore. J'ai été retardé par ces quelques attaques de bobites là, que j'ai pas enregistré parce que j'aurais peut-être dû là. Ça. Il y a un petit trou ici. Ah non! Ah c'est bon, je pensais qu'il manquait encore de pierre. Non, il manque pas de pierre, il manque juste. Ça. Plateforme carrée 64 par 64. J'espère que les démons se parlent même si c'est de la lumière, ça, sinon c'est un autre problème que je pourrais avoir. Ça va être méchant grande affaire. Je sais pas si je devrais la clôturer. Peut-être pas jusque là. Donc là, ça va être au centre aussi que je vais mettre ma Master Ritual Stone. J'ai enlevé des pierres. Puis après ça, tout le rituel va se construire autour. Donc là, il y a mes deux premiers ingrédients.
ma plateforme, puis mon cristal. Puis j'ai mes LP. Mais ça va prendre un petit peu plus que ça pour faire le rituel, ça c'est sûr. Oh, je peux! 128 plus Star Stone. Wow! Là, je les prends. Je sais toujours pas pourquoi j'ai deux pierres de trop. Je prends un Master Stone. Puis là, j'ai tout ce qu'il faut. Ah non, je sais pas, c'est pas ce qu'il faut. Il me manque encore deux. C'est ça, cette affaire-là. Il faut en marquer deux autres. Voilà, ok. J'ai deux piles de pierres rituelles. Après, je vais l'installer, cette affaire-là. Activité de rituel, mais je suis pas prêt à l'activer, mais je peux aller l'installer au moins. Le bâtir. Allons-y, ça va être le fun. Donc là, les Reinforce Slate, il n'en reste plus beaucoup. Je vais en faire d'autres. Ok. C'est ici pour venir sur le Last Millennium, ouais, c'est ça. Ouf, ok. Donc je vais placer la pierre rituelle au centre. Je vais tout enlever. Puis après ça, je vais venir placer le... Ah oui, faut que je le croyame, là. Radon, Cal, Recry, Focus, Song, Ward, Convocation of the Damned, je vais vérifier ce que ça prend. Ça prend un total de 128 pierres, je les ai. Donc, je vais cliquer pour commencer à faire construire ça. Donc, il va commencer à étendre ça partout autour de moi. Espérons-le, pas sûr, moi. Ah oui, c'est ça, c'est une structure assez impressionnante, ça. Aïe, aïe, c'est bien large! Waouh, ça va infecter mon autre rituel, peut-être. Et tabarnouche! J'avais pas réalisé à quel point c'était gros. Quand j'ai vu ça dans les vidéos. Ça ressemble à ça. Aïe aïe, c'était peur, hein? Ça, c'est des Richard Stone. Ah, on voit pas c'est quoi le type de pierre. Parce que, paraît qu'il faut mettre les jars sur les Dusk Stone. Je sais même pas c'est lesquels. Je pense que c'est ça. Ah, ok, je pense que c'est celles qui sont. Ok. Parce que ça, les bleus, ça doit être les. Ah, les bleus, ça doit être l'eau. Les rouges, ça doit être le feu. Ouais, ça c'est pas. C'est plus que logique. Ça, je sais pas ce que ça peut être. Hey my god. Ah, c'est fou! Ah oui! Je suis content de ne pas avoir eu à assembler ça à la main. Hey my god, ça va être pénible. Donc il reste les regents à mettre. Ah, ça flotte dans les airs, ça. Ah, ça flotte pas. C'est tout un... Oui, ça flotte dans les airs, mais c'est tout connecté. L'autre ici, je pense que l'autre va être démantelé. J'ai plus vraiment besoin ici.
leur montrer ailleurs. Ici, c'est vraiment consacré, ça va être vraiment consacré à tout au rituel de démon. Ça va être une île démon. Oh! Ça va être une île démoniaque quand ça va être fini. Ici, Stone Brick. Voilà, fait que de loin là, de haut, ça ressemble à ça. C'est grand, hein? Ouais, c'est grand. En fait, dès que j'ai les reagents, je vais pouvoir allumer tout ça. Hop là! Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ok, ça. Alors, ça va se terminer comme ça pour le moment. À la prochaine.